Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on reprend, on s'est arrêté, c'est-à-dire à la guerre pour changer le roi de France, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bon, on va laisser faire. Comme j'ai dit le dernier coup, on n'intervient pas, on laisse faire. C'est pas notre problème. Ah, le couac ! Surprise! Bon, il faut que je fasse cette voilà. Donc voilà, nous essayons de voir ce que ça va donner. Hein. Bon. Mais évidemment, j'ai gagné moins d'impôts parce qu'ils sont en train de prendre mes villes. Abdique, roi de France, abdique! Le comté de Carcassonne ne doit rien avoir. Attendez, je vous rappelle dans l'épisode précédent qu'il nous a quand même tabassé, qu'il nous a quand même fouetté, déshonoré, et après il veut que je devienne ami en quelque sorte, mais je sais pas ce qu'il a fumé. Bon, si on occupe du jus de champagne, voilà. Bon, comme on peut constater, c'est un peu le bordel dans le Saint-Empire, mais il se reconstitue. Les troupes qu'il avait perdues, je m'en suis rendu compte trop tard, mais en fait c'était dû à la guerre sainte, qu'il n'y avait plus de troupes. Donc ouais, mais heureusement, on va pas pouvoir en profiter. Hein. Mais bon, à côté de ça, on a GM qui est en train de récupérer des territoires, donc on pourrait se permettre après de déclarer la guerre à GM pour récupérer ça. La Provence, Nice, donc récupérer des provinces françaises. Et en attendant... Voilà, c'est parce que je pensais que je pouvais plus. Nous améliorons nos forts pour tenir plus longtemps Il se fout de moi. Il se moque de moi, vous. J'ai mal vu, désolé, il a raison. Allez, abdique. Hop, non mais bon. J'ai plus de maître espion compétent, c'est dommage, donc on va devoir faire avec. Je sais pas, franchement. Je suis pas quelqu'un d'orgueilleux, donc ça fait chier de prendre ça. Donc non. Je serais pour, personnellement. Parce que je suis plutôt d'accord avec eux, en fait, là, pour ça. Mais le problème, c'est que je peux être très orgueilleux et j'aime pas avoir ce trait. Parce que ça me correspond pas, ouais. En réalité, je pourrais tellement défendre le roi de France si je lève toutes mes troupes. Mais bon. Voilà, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que sinon il va toujours me le proposer. Donc voilà. Zéro en diplomatie. Moi je donne combien? 18. Ah, Toujours pas d'épouse d'ailleurs, c'est étonnant. Mais bon, c'est. Voilà. On peut pas prévoir cela. Allez, on accélère. Ouais, il me libère mes villes, ouais. Je préférerais qu'il me prenne tout, mais bon. Bah, j'ai un tour de l'argent, ça va. Niveau mes vassaux. Ah, je perds Emma, bon tant pis, ça arrive. Mais bon... C'est marrant, il m'Uber tout, pourtant il n'y a plus d'armée, ça c'est pas venu par contre. Ah, ils me reprennent. Mais abdique, s'il te plaît, j'en ai marre de te voir, roi de France, abdique.
Ah, maintenant c'est Peace qui récupère un morceau, d'accord. La Chachine, la cyborg de 100 étendeur influence quand c'est une branche de sec, c'est clairement une forteresse maintenue de Misak où elle contrôle la campagne viendra. Présent les assassins Traken. C'est chiant que ça soit coupé, il y a eux, comme ça. On n'a pas tout ce qui est écrit, donc je m'en excuse vraiment. Mais bon, on n'a pas le choix, voilà. Le roi de France, il a plus de soutien. Je me fais démonter toutes mes... Voilà. Pourquoi la paix n'est pas signée là? Ah si. Donc voilà. La France n'existe quasiment plus, faut dire ce qu'il y a. Hein. Mais bon, on va faire avec. Hein. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Bon, me revoilà, je m'excuse. Vous pouvez constater qu'il s'est passé quelque temps. J'ai eu un petit bug, j'ai eu un bug carrément d'enregistrement, vous voyez ce qui est, j'ai perdu des données. Donc je m'excuse beaucoup, et pour ce qui s'est passé entre temps, vous constatez que j'ai pas même trop d'heures et tout ça. Il s'est passé plusieurs choses, la première chose c'est que... Au roi, bien évidemment, on a perdu la guerre, tout ça. C'est que... Il y a eu... les rois ont changé deux, très rapidement les deux, je sais pas comment ça se fait. Il y a deux tournois qui ont été organisés et j'ai fini dans les trois premiers du tournoi, ce qui m'a valu beaucoup d'or en fait. Ce qui m'a permis, ben voilà, il me reste de l'or en réserve et ça m'a permis de lancer la tour dans les deux bâtiments, donc je suis content. Et à côté de ça, j'ai pu construire beaucoup de revendications. Je m'excuse que vous n'ayez pas eu ça, mais ça m'a coûté en fait tout prestige que j'avais gagné et passé là-dedans, plus une grande partie de l'or que j'avais gagné aussi. C'est que j'ai une revendication sur le comté de Berry. J'ai une revendication sur le duché d'Orléans. Normalement, ça devrait être le comté d'Orléans, mais peut-être parce que c'est le duché en lui-même. Et sur la Sens, si je me trompe pas, comté de Sens, comté de Troyes aussi, comté de Saint-Nois et duché d'Orléans. Berry, non, j'ai pas. Non, j'ai cru en fait pour Berry, excusez-moi. Il s'est passé une histoire avec Berry, en fait, on s'est... Je crois que c'est une revendication qu'il a fabriquée, mais non, excusez-moi. Donc voilà, c'est ainsi que, pour me faire pardonner de ce qui s'est oublié, je revendique Sense. Hein. Je suis gentil quand même. Donc, se dire que je lève toute mon armée, hein, faut pas déconner. On va démonter ça, on va démonter ça. Et on va faire toutes les guerres possibles hein, pour récupérer le plus de territoire, en contrepartie bien évidemment du temps que vous avez fait perdre. Hein. J'aurais bien aimé que vous voyiez ça, je vais pas vous mentir. Comment ça se fait que mes troupes sont parties en déroute dès qu'ils sont arrivés en fait? Bizarre. Donc je m'en excuse vraiment. Je voulais pas que ça arrive, mais heureusement, ben. Le jeu a voulu ça, ben je dois malheureusement. Oula. Pourquoi il vient de s'annoncer contre moi là? Oula, qu'est-ce qui me... Ah d'accord, il déclare son indépendance comme ça, l'autre. Et roi de France, il peut amener 2000 hommes. Bon bah d'accord. Bon bah dans ce cas-là, on va tenter de faire le plus de dégâts possible. Hein. Bon, je m'en excuse encore. Hein. J'aurais pu reprendre la sauvegarde, hein, ce qui n'aurait pas coûté grand chose, mais disons la chance que j'ai eu de gagner deux tournois est tellement faible que je préfère garder ça que vous perdez un peu de contenu. Mais l'avantage que ça m'a donné de gagner ça, je vais pas vous mentir, est énorme, donc j'ai envie d'en profiter vraiment. Voilà, après je déclarerai la guerre pour revendiquer bien évidemment. Très bien, c'est-à-dire que j'aurai un héritier si jamais... Voilà, bon. Voilà.
Je suis en deux guerres en même temps, donc c'est un peu bordélique, mais c'est pas trop grave encore. Bon. On va faire une chose ici, c'est qu'on va pas prendre lui. Lui, roi Richard IV, déclare un deck, on revendique Troyes, oui. On peut relever nos troupes déjà. On amène toutes nos troupes ici, voilà. Bon, l'armée de France s'est fait exploser, mais c'est pas trop grave. Parce que mon armée est quasiment aussi puissante que celle de l'armée de France. Plutôt de ce qui reste de l'armée des rebelles. Donc je crains pas grand chose, il faut dire ce qui est. 27 mai, j'arrive au 29, donc on va y aller en priorité. Voilà, là vous voyez qu'on est un peu en guerre contre tout le monde. Bon bah c'est... malheureusement le jeu, hein. L'armée du Royaume, non moi je veux pas qu'on perde non plus, franchement je veux pas. Comté de Boulogne, même Boulogne, vous voyez. Donc maintenant mon objectif, je vais pas vous mentir, c'est de devenir roi de France. Oui, roi de France, ça va pas être facile de devenir, mais bon, si j'y arrive, ben tant mieux, hein, je vais pas mentir. Voilà, les tours ont fini d'être construits, bon, ben, ça va rapporter beaucoup plus de troupes. On va mettre une caserne. Je vais pas mentir, cet argent que j'ai gagné m'a vraiment fait du bien. Déjà pour mes constructions, tout ça, ça m'a été utile. Bon. Encore le 89. Alors mercenaire, il y a quoi qui coûte pas trop cher en mercenaire? Au pire, j'avais une armée de mercenaires. En fait, tout ils perdent des hommes. J'avais une armée de mercenaires, je m'explique en fait ce que je vais faire. J'avais une armée de mercenaires pour exploser. Ouais, voilà, c'est ce que je vais faire. Armée mercenaire. En plus il est bien. J'ai une armée de mercenaires, j'expose l'armée là, comme ça il sera toujours rebelle. Oh, c'est des rébellions de partout. Oh. Faut vite que je devienne roi de France. Ça sera pas forcément mieux si je suis roi de France, je vais pas vous mentir. Il faudrait juste que mon armée là arrive rapidement au combat. Oh là là, oh que j'ai eu raison de prendre les mercenaires. Non mais je l'occupe. Ou le guac que je lui mets, ou que je les expose. Heureusement que j'ai de l'argent, faut pas me mentir, ça. Sans l'argent, je sais pas comment j'aurais pu faire ce coup-là. Donc, mon armée de mercenaires va y suivre. Pendant que mon armée principale retourne ici. Hein. Bon, je laisse libérer la capitale, comme ça après je la récupère derrière. Mais cette victoire leur a porté un bon coup, faut pas mentir. Hein. Bon, par contre, je perds beaucoup d'argent. Et nous allons retourner ici.
pour libérer les villes que je peux libérer. Étant donné que c'est une armée que je contrôle pas vraiment, c'est pas grave si je perds des hommes dessus, je vais pas vous mentir. Bah, je suis pauvre. Parfait. Voilà. Ça devrait passer normalement. J'aurais beaucoup de pertes. C'est pour ça que je fais passer avec mes araignées, sinon j'aurais des pertes tellement énormes que ça ne conviendrait pas. Bon, le roi de France n'a plus rien. Faut dire aussi ce qui est. L'armée du roi de France, ça se résume à rien maintenant. Mais bon. Cinq bordel dans tout le royaume. Voilà, ça s'est libéré. Non, moi, je dépense plus pour cette armée-là. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de guerres là, donc pour ceux qui en voulaient, il y en a. Mes batailles que j'ai en plus sont bien arrangées. En fait, si j'arrive à le capturer, ça me permet de finir toute la guerre, donc ça m'arrangerait. Oui, en train de tout libérer, ça m'énerve aussi. Normalement, voilà. Aucune forme de pitié. Alors que Prenzov, attendez, j'aimerais la pause. C'est bon, j'accepte. Donc 3 devient mien. Donc j'ai gagné ma première guerre. Homme du Danemark, qu'est-ce qu'il veut, homme du Danemark? Oh là là, c'est le bordel partout. Ah, je peux pas aider contre le Danemark. Faut pas exagérer quand même. Hein. C'est parfait, j'ai gagné un nouveau lieu. Faut vite que je prenne Sens, voilà, Sens. Je sais pas. Excusez-moi, je pense à autre chose quand j'ai dit ça. Je peux lever. Donc maintenant, moi, je fais un peu mes guerres personnelles, vous voyez. Les autres, ils veulent envahir, ils envahissent. Moi, je fais mes guerres à moi. Ce comté-là, je vais offrir... C'est eux qui ont un enfant, oui. Donc... Accorder un... J'aimerais lui donner... Je peux lui donner un titre foncier, non? Ben, maréchal accordé un titre français, le comté de Troyes. Voilà. Je vais laisser tomber étant donné que j'ai déjà la revendication en fait dessus. Ça par contre, je comprends pas pourquoi il me propose deux fois de faire la revendication sur le même lieu, étant donné que j'en ai déjà une. Donc voilà, bon. Bon, au moins notre guerre se passe bien, bon. Alors, le comté de Paris se fait exploser. Lui, non. Lui... Oui et non. Et lui, une fois que j'aurai pris, en fait,
cette ville-là, en fait, j'aurais aussi pris tout ce qu'il y a à côté. Hein, donc, et en plus, après, je pourrais usurper le titre, hein, donc le titre de comté. Une fois que j'aurai, en fait, je m'explique ce que je vais faire. C'est une fois que j'aurai suffisamment de comté, je vais usurper en quelque sorte le royaume de France. Donc, je viendrai roi de France et je pourrai, bien évidemment, après, un peu faire ce que je veux du royaume de France. Bon. Le petit problème pour l'instant, c'est qu'il y a Aquitaine qui a pris son indépendance, c'est que Aquitaine est quand même un gros morceau. Donc une fois qu'on aura récupéré, il y a tout le nord de la France, ça sera déjà pas mal. Hein. Savoir les lois niveau sans autonome, vous voyez, c'est personne n'a encore en quelque sorte défini en fait leur comment ça allait se passer. Apparemment, on peut regarder par archevêché, moi c'est le ah si, c'est un archevêché. D'accord, il y a tout ça en fait, étonné que je vais avoir ça. Mais bon. Oui. Ce qui est bien avec les livres, c'est que vous pouvez gagner des coups. Voilà, érudition plus 2, ça c'est bien. Je pense pouvoir après usurper le titre A, donc... Enfin, si j'ai bien tout suivi, hein, après je peux peut-être me tromper. Dans ce cas, si je me suis trompé, je fabrique une rotation directement là. Hein. Et là, je vais faire un nouveau camp de miliciens. Voilà. La bonne nouvelle, au moins, c'est que malgré ça, malgré ce problème-là, bon, on a beaucoup d'argent, au moins d'un côté. Voilà, je lui demande de mettre fin au complot. C'est... Ah, quand même pas mal en avant en plus quand même. J'ai fait le con, ça arrive. Oula. Donc on est sous le Danemark maintenant, génial. C'est la première fois que ça m'arrive en fait d'être sous Grand Danemark, je vais pas vous mentir. Ah mais bon. Dès que je pourrai recréer le royaume de France, je recréerai. Ceci n'est que provisoire. Voilà, elle va accepter la paix, offrir. Et voilà, j'attends l'or, je peux usurper maintenant ce titre. Bon, d'une bonne chose de faite, je revendique maintenant Orléans.
Oui, là, je vous promets que là, ça va vraiment, il va vraiment avoir beaucoup de guerre. Trop surpris, par contre. Voilà. Je suis en train d'abuser de mon autorité, faut pas mentir, hein. En plus, mes fortifications se terminent en Bourgogne. Bon, d'un côté, c'est bien d'avoir une dame marque, de l'autre, c'est pas bien en fait. Bon, je peux déjà usurper un titre, donc je vais économiser, ça me coûtera 169 pièces d'or, donc on va attendre. Et en usurpant ce titre, en fait, j'obtiens une revendication sur ce qui manque, c'est-à-dire sur la Champagne, là. Et je deviens donc archevêque. Bon, vous comprendrez quand ça arrivera, je vous rassure. Oh, parfait! Alors, là, c'est ce que je vous avais expliqué. Je vais attendre une indépendance du royaume un peu... du Saint-Empire, je vais pas vous mentir. Et c'est ce qui vient de se passer. Il y a des indépendances un peu de partout. Donc, la Lorraine, si je finis vite... Orléans, je pourrais normalement capturer... ici. Bon, j'aimerais... Je sais comment je vais faire. Je vais me dépêcher de faire là. Un camp de miliciens. Je prends la capitale. Berry s'est rendu, voilà, ouais, donc toute... vitesse 1. Il n'y a que des espions pourris. Bon. Ça arrive à des moments qu'on a des espions comme ça. Or, bataille d'Orient, parfait. Non, celle-là, je vais pas instaurer. Parce que là, j'ai envie de déclarer la guerre, en fait, pour revendiquer. Après, vous voyez, voilà, je vais vous montrer ça, qu'on pouvait lever nos troupes. Donc voilà. On revendique ça, on prend si à moi. Et tout ira bien. C'est pour ça qu'en fait, je mets en pause ce siège-là. Je m'impose la capture d'Orléans. Parce qu'il est pour l'instant plus important de s'occuper des personnes qui sont en indépendance. Et en plus, j'ai même un fort... Quoi? Non, oui, ouf. J'allais dire si je perdais contre des rebelles. Hop. Contrôle déjà Saint-Oise. Parfait, parfait, voyez-vous. Bon. Finalement, malgré cette petite perte de vidéo, je vous fournis quand même beaucoup de choses derrière, beaucoup de guerres, hein, beaucoup de territoires qu'on peut récupérer. Donc d'un côté, vous perdez pas tout. Hein. Sage de vos démons. Hop. Ici la Lorraine.
Et avec le temps, voilà. Donc juste avant de ça, je vais vous montrer avec le temps, plus vous contrôlez longtemps en fait la région qui est contestée, plus vous gagnez en fait de score de guerre. Donc voilà, je récupère ça à toi. Chancelier, moi je remercie d'être chancelier, j'accepte. Et je retourne à ma guerre initiale. Bien évidemment maintenant je peux usurper. Et par la suite, je pourrais déclarer la guerre. Parce que je contrôle le duché. Bon, par contre, j'ai peur d'une chose, c'est que chez mes vassaux... Voilà, duché, bon. Si c'est de la convoitise de duché, ça m'est pas encore pareil. Tout ça, je vous donnerai après... Pour l'instant, je les garde parce que j'ai rien d'autre à faire avec. Mais plus tard, je les donnerai en fait. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc le Danemark a 5000 hommes ici. Très bien. Je pense personnellement, pour l'instant je contrôle la plus grande partie de la France, faut dire ce qui est. Hein. Ça serait mentir de dire que j'ai pas une grande partie de la puissance française. Bon, l'Aquitaine a une autre grande partie, faut dire ce qui est. Mais je pense que si je récupère encore quelques duchés par-ci par-là, que j'arrive à fomenter en fait un coup d'état, je pense que je peux récupérer. Créer une faction, c'est pour la France. Hein. Voilà. Que si on peut élire en fait successeur en France, on peut lui enlever en fait un titre du royaume à votre personne. Donc c'est pas plus mal. Par contre, je fais une toute petite pause ici, ce que je sais pas depuis quand je filme. Bon, on finit vite fait cette guerre, hein, parce que la vidéo commence vraiment à faire longue. Voilà, on finit cette guerre, offre la paix. Donc voilà, nous avons repris Orléans, donc maintenant nous sommes duché de Champagne, duché d'Orléans et duché de Bourgogne. J'espère que mes vassaux ne font pas la gueule à cause de cette histoire. Bon voilà, ça c'est pour lui, c'est normal qu'il va me détester. Non, on me reproche pas d'avoir trop de comtés, donc c'est parfait. Donc maintenant... On va juste regarder certaines choses en fait. La faction, j'ai 16% en fait des choses, donc faut que je trouve du soutien. Mais bon, aux autres points, c'est plutôt bon. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je m'excuse encore une fois de ce bug là. J'aurais bien aimé tout vous montrer, mais malheureusement, j'ai pas pu. Donc voilà. J'essaierai de trouver au pire un moyen pour corriger ça. Hein. Par contre, juste faire un truc pour hasard. Ouais, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que d'ici la prochaine fois, vous porterez bien et vive le jeu vidéo.